c'est d'imaginer, de prendre le temps d'imaginer, c'est de créer une vision, imaginer cette vision-là, souvent on y pense, oh, on part sur autre chose, c'est de prendre deux journées pour s'arrêter, y penser, c'est de mettre en place aussi cette vision-là. Aujourd'hui la technologie va tellement vite que c'est facile de rapidement se retrouver dépassé, euh, il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'aller à la première conférence Power Platform à Orlando. C'était vraiment très intéressant. J'étais allé avec un collègue. Puis, euh, quand je suis revenu de là, euh, tout excité, euh, là, j'étais rendu à créer une liste d'épiceries dans Power Apps. Euh, J'aurais pu même prendre mes iBuilder pour euh, partir mes toasts le matin. Puis, ah, oh, j'ai oublié de me raser. Ouais, je pourrais me créer un Power Automate qui m'enverra un mail le matin. Ouais, 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 ouais. Bonne idée, bonne idée. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence « Faites-en plus » en moins de temps grâce à la Power Platform. Comme vous avez pu le voir dans les vidéos qui viennent de passer, euh, mon flow ne fonctionne pas encore ce matin. <laughs> Donc, je t'avais que moi, euh, premièrement, je vais me présenter euh, pour ceux qui n'étaient pas là euh, hier. Euh, mon nom est Jacques Bolduc. Je suis euh, architecte de solution euh, principale euh, Microsoft. Et je suis avec mon collègue... Euh Bonjour, mon nom est Mickaël Raymond et je suis le directeur technique des applications. Chez le Groupe Conseil ERA. Bonjour Michael. Bonjour Jacques. Ça va bien? Ça va très bien et toi? <laughs> oui, ça va bien. On va avoir du plaisir ce matin. Euh, Qu'est-ce qu'on va voir ce matin? Donc, premièrement, en introduction, on va essayer de démystifier un peu euh, la Power Platform. Euh, on va voir aussi euh, la partie Dataverse. Donc, dans Power Platform, il y a plusieurs produits, dont un qui s'appelle Dataverse. On va voir à quoi ça ressemble. Oui, c'est une base de données, mais ça fait quoi? On va parler aussi de Power Apps, Power Pages, Power Automate, Power Virtual Agent, AI Builder, et on va parler de tout ça avec Power Michael. <laughs> Donc, on va avoir du plaisir. Mais avant de commencer, ouvrez votre, votre imagination, parce qu'on va vous présenter beaucoup de choses, beaucoup de produits. Et ce matin, le but, c'est vraiment que vous imaginiez ce qu'on peut faire avec la Power Platform. Donc, vous allez voir, pour chacun des produits, il y a certainement des utilités dans votre entreprise. Donc, regardez ça, commencez à rêver, oui, je pourrais faire tel processus de telle façon. Puis, on va certainement avoir la chance euh, de se reparler euh, plus tard. Mais vous allez voir, ce matin, c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire, de vous montrer. Euh, dans notre langage, on appelle ça le carré de sable. Donc, on va essayer de vous montrer c'est quoi le carré de sable de chacun de ces produits-là. Et à la fin, on va avoir un exemple d'intégration avec un, un, un processus où est-ce qu'on va euh, utiliser plusieurs produits. Premièrement, euh, récemment, euh, on a eu la chance, Michael et moi, d'aller à la première conférence annuelle euh, de Microsoft pour la Power Platform. C'était à Orlando. Ça a été vraiment intéressant. Et euh, ce qu'on a vu euh, là-bas, c'est plein euh, de choses intéressantes, super intéressantes. Ce que j'ai à l'écran présentement, c'est un peu la famille. Euh, ceux qui étaient là hier, je parlais, je faisais la, la référence avec Dynamics 365, où est-ce qu'il y a plusieurs produits. Power Platform, c'est la même chose. Donc, Power Platform, c'est le nom de la famille. Et à l'intérieur de la famille, on a sept produits. Euh, qu'on va euh, couvrir ce matin à, à plus haut niveau. Gardez en tête, on a 45 minutes, donc on ne présentera pas une preuve de concept pour chacun des produits, mais ça va vous donner une, une, une très bonne idée de euh, comment tout ça fonctionne ensemble. Donc, on va voir Power BI, Power Apps, on va voir Power Automate, euh, Virtual Agent, on va voir ce qu'on peut faire avec ça, Power Pages, les Data Connectors, donc... Euh, on a beaucoup de connecteurs qu'on va pouvoir utiliser dans, euh, dans cette famille de produits. On va parler aussi des AI Builder, bien entendu, et finalement, Dataverse. Avant qu'on aille euh, à Orlando, euh, je parlais avec Michael. Michael, qui, euh, bon, vous l'avez vu tout à l'heure, Michael a un background de développeur. Donc, euh, au début, quand je lui parlais de la Power Platform, il me regardait un petit peu de haut. Euh, ouais Power Platform. Il, il me le disait pas, mais je pouvais voir dans son visage que bon Power Platform, c'est pour les bébés, c'est pour les gars comme toi, Jacques, qui ne savent pas développer. Mais euh, maintenant qu'on est revenu d'Orlando, euh, Michael, euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton impression? ben pour être honnête, Jacques, il y a 3-4 ans, j'avais euh, exploré la Power Platform et j'avais été un petit peu déçu. Je trouvais que c'était un outil un bon outil pour faire des applications simples, mais qu'il manquait beaucoup de fonctionnalités et d'outils pour faire des choses un peu plus professionnelles et robustes. Euh, dernièrement, grâce à, à ton insistance, je, je me suis remis à apprendre cette technologie-là et je suis maintenant vraiment emballé avec toutes les possibilités et les nouveautés que Microsoft a ajoutées dans les quatre, quatre dernières années euh, à la famille Power Platform. Donc, euh, je suis vraiment enthousiaste maintenant et je suis très content de vous montrer des cas réels d'utilisation que nous pouvons euh, vous offrir. Calme-toi, Michael, calme-toi. <laughs> tu m'as tellement euh, bien <laughs> vendu le projet que là, je suis rendu un maniaque. <laughs> C'est bon, une bonne séance d'évangélisation euh, a fait du bien. Donc, Dataverse, commençons par euh, la, la, la première phase du produit. Donc, euh, on parlait Power Platform. Dataverse, ça fait quoi, Michael? Le Dataverse, c'est la base de données dans l'univers des Power Platforms. Euh, vous pouvez penser à la Dataverse comme un SQL Server euh, avec les mêmes fonctionnalités que SQL Server, mais qu'on peut utiliser de façon beaucoup simplifiée. Nous pouvons créer des relations entre les tables, euh, nous, nous pouvons gérer la sécurité directement à l'intérieur du, du Dataverse. Il y a quelques fonctions vraiment euh, intéressantes qu'on qu ne retrouve pas dans SQL Server comme la possibilité de créer des formulaires pour faire la gestion de nos données directement dans le Dataverse. Nous avons également la possibilité de créer des virtual tables. Euh, c'est quoi une virtual table? Finalement, c'est un regroupement euh, de plusieurs tables. Un des défis lorsqu'on fait du développement dans Business Central est que nous avons plusieurs compagnies et de regrouper toutes les informations de, de plusieurs compagnies en un seul endroit. Grâce au Virtual Table, on peut, à un endroit, regrouper toutes les compagnies que nous avons et réutiliser ce Virtual Table-là dans tout le reste de la famille euh, Power. Donc, c'est très intéressant. Oui, puis pour ajouter un peu, euh, ceux qui euh, connaissent un peu plus la structure de la base de données de Business Central et Unav, chaque, euh, par exemple, si on prend la table item, si vous avez trois compagnies, vous allez avoir trois tables item. Donc, c'est item, nom de compagnie, item, nom de compagnie. Donc, ce que, euh, ce que euh, Michael vient de mentionner, c'est qu'avec euh, justement les shared tables, ça permet de consolider euh, tout ça dans une seule vue. Autre chose aussi au niveau Dataverse, et euh, ce que je vous dis là, c'est euh, mon point de vue personnel. Euh, aujourd'hui, ça c'est une certitude, aujourd'hui, Dataverse est déjà utilisé comme base de données commune. Euh, donc le, 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 le Common Data Model le, de Dataverse, ou est-ce que si vous prenez des produits comme Dynamics 365 Sales, euh, Customer Service, Field Service, ces produits-là vont avoir des informations euh, euh, qui sont les mêmes en fait. Le client, vous le créez une fois. Donc, il y a déjà une intégration des produits qui est commencée avec Dataverse. Mon guess personnel, c'est que c'est une question de temps avant que Business Central soit nativement intégré à, à Dataverse. On peut le voir dans les deux dernières versions de Business Central, où est-ce que Microsoft a ajouté l'intégration à Dataverse, ils ont ajouté justement les Virtual Tables. Donc, Dataverse voyait ça comme une base de données commune euh, qui est sous les produits Microsoft, donc pas juste euh, Dynamics, mais il y a plein d'autres produits aussi, et aussi des produits externes, euh, comme on va voir un petit peu plus tard. Power Apps. Écoute, j'en parlerais bien, Mickaël, mais ça risque d'être très court. Je vais te laisser euh, continuer avec ça. Pas de problème. La Power Apps est la solution de Microsoft pour créer des applications euh, vraiment de façon très facile. Euh, pour créer des applications simples, euh, une personne qui n'est pas développeur, même toi, Jacques, tu, pourrais, tu serais capable de faire une application. Euh, L'avantage de cette technologie, c'est pour faire des... Des applications un peu plus complexes, euh, comme je disais tantôt, ils ont rajouté les outils et les fonctionnalités pour même faire du développement euh, un peu plus complexe. Euh, un des avantages de cette technologie, et il y a des dizaines de templates que nous pouvons nous que nous pouvons utiliser pour créer une application euh, de point de départ. Là, mais la plus grande force, si on veut, de la Power Apps, c'est qu'elle utilise plus de 800 connecteurs euh, pour euh, connecter à d'autres technologies. Donc, je vous montre quelques exemples de connecteurs standards. Et nous avons également des connecteurs premium. C'est quoi un connecteur dans la famille Power? Un connecteur nous permet de façon très facile de se connecter à une autre technologie, euh, même si on ne connaît pas le langage de programmation ou la technique derrière celle-ci. On peut facilement avec le connecteur se connecter à Business Central, par exemple, pour recueillir du data, sauvegarder du data. Et on peut faire la même chose avec, comme, avec toutes ces applications-là à l'écran, avec Facebook, Twitter, OneDrive. Nommez-le, tous les, les gros produits existent. Et si jamais votre, euh, votre application Maison n'est pas là, vous pouvez même créer des connecteurs euh, Maison pour euh, connecter vos systèmes Maison à la Power Platform. Une autre force euh, des Power Apps, c'est qu'on peut facilement créer des applications euh, pour la mobilité. Euh, et nous avons des modes online et offline. Donc, ici, c'est un, un exemple très simple d'application euh, que j'ai créé à partir d'un template. Donc, en quelques minutes, j'ai créé cette application euh, grâce au template. Et ensuite, j'ai pu connecter euh, cette application aux données de Business Roundtable. Très facilement. Le, projet, le prochain exemple est euh, c'était pour vous illustrer à quel point euh, maintenant on peut, avec un peu plus d'effort, par exemple, euh, faire des applications vraiment qui ont de la gueule. Euh, par le passé, il y a quatre ans, c'était pas possible de faire des beaux designs euh, comme ça dans le Power Platform. Avec un peu plus de connaissances, un petit peu plus technique, on peut euh, faire des designs comme ça. Et euh, utiliser la simplicité du reste du, du développement, finalement, que la Power Platform nous apporte. J'aurais une question, Michael, qui n'est pas prévue dans notre script, mais quand même. Power Apps, perso personnellement, je ne suis pas un développeur, je ne suis pas programmeur, euh, je ne suis pas capable d'écrire une ligne de code. J'ai, euh, bien entendu, euh, joué avec Power Apps. J'ai réussi à créer des choses, mais à un moment donné, je suis euh, un peu arrivé dans, dans le coin low-code. Ou est-ce que, qu'est-ce qui arrive quand un gars comme moi frappe un mur, puis est-ce que c'est là qu'un développeur va entrer en ligne de compte? C'est quoi la nuance du low-code? Effectivement, le, le nouveau concept de Microsoft, il appelle ça des équipes fusion. Donc, euh, plusieurs personnes ensemble peuvent travailler pour faire une application commune. Lorsque nous utilisons des... lorsque nous créons des applications simples, euh, on n'a pas besoin de faire beaucoup de code. Mais lorsqu'on rajoute des règles d'affaires et beaucoup de validations, on, un moment donné, on s'en sort pas. On doit faire du code. Il y a deux niveaux de code dans, dans la Power Platform. Le premier niveau, c'est à la portée de tous, c'est des formules un peu Excel qu'on rajoute, on rajoute des conditions, pareil comme dans Excel, des vélocoops des trucs comme ça. Donc n'importe qui peut réussir à faire ça. Le deuxième niveau, par contre, c'est il appelle ça le code first. On peut télécharger le source euh, de la Power Apps. Avec un outil comme VS Code pour les développeurs, ils vont connaître. Et là, le, on, toutes les possibilités se rouvent pour des choses très complexes. Si on veut rajouter du drag and drop dans un Power Apps, on doit passer par un peu du code. Donc, euh, pour des choses simples ou, ou régulières, n'importe qui peut, peut, peut le faire. Mais si on veut vraiment quelque chose de précis et plus, un peu plus complexe, on peut faire affaire avec un vrai développeur. Excellent. Très bonne question, Jacques. La prochaine euh, technologie qu'on voulait vous parler, c'est PowerPage. C'est quoi PowerPage? PowerPage, c'est le remplaçant à PowerPortal. C'est la technologie de Microsoft pour créer des portails clients. Euh, nous, avons, euh, nous avons effectué un, un très beau projet avec cette technologie euh, dernièrement et ça fonctionne très bien. Euh, L'outil n'est pas aussi mature que les autres outils que la technologie euh, Power. Par contre, euh, avec ce qu'on a vu à la conférence à Orlando, le futur est vraiment prometteur et dans les prochains mois, ils vont rajouter les, les outils pour simplifier un peu le développement avec cette technologie. Lorsque ça sera fait, ça va être vraiment une belle alternative pour nos clients pour créer leur portail également. Power Automate, la prochaine technologie. Mon coup de cœur de la famille Power. J'adore les Power Automate. Ça nous permet. C'est quoi Power Automate? C'est une technologie qui nous permet de créer des flux euh, de façon très simple pour détecter des changements dans toutes sortes d'applications de, de, euh, avec l'utilisation des 800 connecteurs comme dans la Power Apps. Euh, par exemple, on peut détecter des changements dans Business Central euh, une modification, une suppression, un ajustement. Lorsqu'on détecte ce changement-là, on peut euh, envoyer des courriels, euh, créer un, un fichier euh, par des, un PDF, l'envoyer par courriel, déplacer des fichiers dans OneDrive. Toutes les interactions entre les systèmes sont vraiment simplifiées beaucoup grâce à la Power Automate. Power Automate, en fait, il y a aussi euh, l'intégration à Business Central. Euh, pour les plus anciens clients de, de NAV ou de Business Central. Il y a un engin de workflow qui existe depuis plusieurs années, mais les clients qui sont sur Business Central, une version plus récente, vous avez commencé à voir apparaître Power Automate dans les menus. Donc, Microsoft graduellement s'en va vers Power Automate, et je crois que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, parce que, un, l'engin de workflow de base dans... Les dernières versions de NAV ou les premières de Business Central est flexible comme euh, un 2 par 4. Euh, très peu flexible. Il y a des templates qui existent, puis on a très, très peu de latitude. Alors qu'avec Power Automate, au tout début, on a une vision très simpliste. Par exemple, euh, oui, je voudrais avoir une approbation sur mes commandes fournisseurs. Oui, vous allez pouvoir le faire dans Power Automate. Il existe des templates pour ça. Mais l'intégration, hein, parlons du loup, voici un exemple. Euh, sur euh, Power Automate, vous avez des templates. Il y en a pour Business Central, mais l'intégration à Business Central. Puis on va voir tout à l'heure avec Michael, je suis en train de voler ton punch. Correct, on va voir correct. tout à l'heure avec Michael comment on peut intégrer Power Automate, mais pas juste avec Business Central. Pour le moment, je vais vous présenter deux petits exemples simples avec Power Automate pour vous montrer à quel point c'est simple de créer des, des flux avec cette technologie. Dans notre exemple que nous avons présentement. Euh, une approbation d'un document de vente est demandée dans Business Central. Le, le Power Automate détecte cette requête. Ensuite, on récupère les informations du document et on envoie les demandes d'approbation à tous les responsables. Ensuite, on voit qu'on peut euh, détecter euh, est-ce qu est que la demande est approuvée, refusée, et en fonction du résultat, on peut euh, changer euh, la réponse. Donc dans ce cas-ci. Si la réponse est positive, on pourrait updater un statut dans Business Central. Sinon, on pourrait récupérer le document de vente euh, en PDF et l'envoyer par courriel. Un des, une des choses qui est intéressante avec les demandes d'approbation avec Power Automate, c'est que la demande peut être envoyée par courriel et elle peut même apparaître dans euh, le Microsoft Teams des responsables. Donc, une, un pop-up peut apparaître dans Microsoft Teams. L'utilisateur peut accéder. Euh, directement euh, avec un lien à Business Central et approuver ou non euh, la demande. Un bon exemple ici, euh, euh, à l'interne, nous, on fait des offres de services. Les offres de services doivent être approuvées. Ça, c'en est un très bon exemple. Plutôt que d'envoyer le document Word PDF euh, à l'approbateur, ben, on pourrait facilement déclencher un workflow et que dans Teams, ça se fait par défaut, par courriel, oui. Dans le courriel, on a même le bouton approuver, rejeter. Mais euh, avec Teams, ben, l'avantage, c'est qu'on a souvent déjà, euh, par exemple, un channel vente, euh, achat, euh, production, etc., etc. Donc, à ce moment-là, l'approbation pourrait directement apparaître dans euh, le Teams euh, de l'équipe en question. Le prochain exemple, Power Automate RPA. Est-ce que vous connaissez ça? C'est quoi euh, ça du RPA? C'est du Robotic Process Automation. Cette technologie nous permet de simuler des processus automatiquement. Dans l'exemple qu'on vous a préparé, le robot va ouvrir un fichier Excel, une fois qu'il est configuré, il va ouvrir un fichier Excel, il va lire le data à l'intérieur du Excel et le conserver en mémoire et fermer Excel. Ensuite, tout seul, il va ouvrir Google Chrome, se connecter à une page Web de notre choix et saisir un à un les champs de notes qui proviennent euh, de Excel dans notre page Web et sauvegarder le data. Lorsque tout le data sera euh, sauvegardé, euh, le robot va fermer automatiquement Google Chrome et le processus va être euh, terminé. Je, je vais répéter ce que Michael vient de dire. RPA permet d'automatiser des processus. Par exemple, vous avez une application tiers, vous avez Business Central, vous avez une application tiers, vous recevez de l'information euh, dans un Excel, mais RPA, lui, voyait ça comme un enregistreur. Vous allez, la première fois, enregistrer le processus, RPA va le, le garder. Dans le fond, en arrière-scène, c'est des X et des Y. Là, il remarque où est-ce qu'on clique, puis… Bon, c'est un peu plus que ça, là, mais quand même. Et une fois que c'est fait, bien, vous allez pouvoir dire, bien, tous les matins, 8 heures, tu vas me rouler ça. Donc, imaginez, et ça, vous n'êtes pas obligé d'en parler à votre boss, là, mais il y a certainement plein de tâches que vous allez pouvoir automatiser. Je pense entre autres au punch out, euh, les gens qui n'ont euh, pas nécessairement un connecteur EDI à Business Central, euh, toutes des opérations comme ça que vous allez pouvoir automatiser. Je vous invite fortement à faire une recherche sur le site de Microsoft ou sur euh, tout simplement YouTube. Écrivez Power Automate RPA et vous allez voir que c'est quand même assez incroyable ce qu'on peut faire avec cet outil-là qui est très, très peu connu dans, euh, dans la famille euh, Power, euh, Power Platform. C'est le petit mouton noir, là, mais c'est une question de temps avant qu'il soit un peu plus connu. Power BI. C'est quoi Power BI? La plupart des gens connaissent déjà Power BI. Donc, c'est un outil euh, qui sert beaucoup à créer des dashboards, donc des tableaux de bord, euh, des euh, scorecards. Scorecard en français, euh, scorecard. Euh, donc, c'est un outil qui va servir surtout à afficher des indicateurs de performance. Donc, on a déjà des rapports, on a déjà, des, dans certains cas, des jet reports qui sont. Euh, plus dans Excel, tabulaire. Mais le but d'un Power BI, c'est que lorsque je vais, par exemple, ouvrir mon Business Central, parce que Power BI s'intègre nativement à Business Central, donc lorsque je vais ouvrir mon Business Central ou mon Power BI, bien, ce que je vais voir va me parler sans que je fasse deux heures d'analyse. Donc c'est ça le, le, la prémisse d'un dashboard, c'est d'avoir de l'information visuelle avec des indicateurs de performance. Par exemple, votre indicateur de performance c'est 20 commandes clients par jour. Bien, si vous regardez en bas à droite, là vous avez les petites lignes là, avec du vert puis du jaune. Ben j'aurai une autre ligne qui représenterait le 20 commandes par jour pour que je puisse rapidement voir est-ce que je suis au dessus en dessous. Donc ça c'est la notion de dashboard et c'est Power BI l'outil de prédilection euh, du côté de Microsoft qui s'intègre avec euh, tous les produits Microsoft et autres aussi. Power BI, je mentionnais, il est déjà intégré dans Business Central. Euh, il existe déjà des templates Power BI. Si vous allez sur App Store, euh, App Source, vous allez pouvoir euh, retrouver certains euh, rapports Power BI. Certains sont gratuits, d'autres payants. Par contre, rapidement, on va voir que euh, le côté payant, il euh, y a un payback quand même assez euh, rapide de ce côté-là. Je vous montre un exemple ici. Donc, on a un dashboard on a plusieurs composantes Power BI à l'intérieur de cet écran-là. On a une map en bas où est-ce qu'on peut zoom in, zoom out. On a une vue tabulaire, un peu comme dans Excel. On a en haut nos indicateurs de performance. Donc, c'est le but d'un euh, Power BI, d'un dashboard, c'est de voir de l'information rapidement dans, euh, dans un tableau. Power Virtual Agent. Virtual Agent. <laughs> c'est un autre produit qui est moins connu du côté du Power Platform. C'est un produit qui initialement est sorti un peu du côté de Dynamics 365 Customer Service. Donc, c'est un chatbot. La plupart des gens ont déjà interagi avec un chatbot sur un site quelconque. Donc, un chatbot, c'est quoi? C'est de l'intelligence artificielle avec une certaine structure qu'il faut définir mais qui va permettre euh, de poser des questions et de nous diriger. Bon, Power Virtual Agent, moi je vous dirais, à utiliser avec modération, c'est un excellent et super produit, mais on connaît malheureusement des multinationales qui, sont, euh, qui ont un peu perdu le contrôle avec leur chatbot, qui fait en sorte que tu es sur le site, puis après une demi-heure, tu spina encore avec le chatbot. Ce n'est pas le but de la chose. Là. Mais par contre, euh, ça peut vous servir à plein... Euh, à plein d'égards, euh, par exemple, avec euh, votre site Web, aussi dans Teams. Souvent, on associe les chatbots à un site Web où est-ce que les, notre service à la clientèle est là, les clients peuvent poser des questions, mais aussi à l'interne. Par exemple, votre département RH pour avoir un chatbot dans euh, Teams directement, poser des questions. Et le chatbot, ben, lui, bien entendu, euh, peut communiquer avec plusieurs choses euh, en même temps, plusieurs produits. L'intelligence artificielle qui est là, qui va euh, se raffiner avec le temps. Donc, c'est un produit qui est très intéressant, qui est à euh, explorer, euh, mais gardez en tête que euh, Chatbot, euh, Power Virtual Agent, j'ai un exemple ici avec un site web. Donc, euh, où est-ce que, en fait, le, le, le Power Virtual Agent sur un site web, lui va vous permettre de bien rediriger le trafic et souvent, euh, ou à l'occasion, donner des réponses directement euh, à vos clients. Un autre exemple ici. Donc, vous voyez l'arbre de décision qui est là et on peut mettre des mots-clés et au fur et à mesure qu'on va l'utiliser, à ce moment-là, euh, les réponses vont euh, se raffiner. Vas-y, En fait, ce que je voulais rajouter, c'est que le Power Virtual Agent utilise lui aussi les connecteurs comme les autres euh, outils. Donc, on pourrait euh, vraiment, avec le chatbot, sauvegarder des, du data dans Business Central Également interagir avec plein d'autres applications également. AI Builder. Qu'est-ce que cela? Oh. On a vu hier. AI Builder, c'est impressionnant comme technologie. C'est euh, incroyable où que la technologie est rendue. Euh, on peut utiliser ça pour faire du OCR, euh, pour détecter c'est quoi le caractère, et nous pouvons utiliser également ça pour faire la, la reconnaissance d'image. Juste, euh, Michael, on a vu hier avec euh, Ender que Business Central contient déjà euh, de l'intelligence artificielle. Donc, j'invite, euh, si vous avez manqué la session, à retourner, euh, visualiser cette partie-là. Fin de la parenthèse. Parfait. Donc, euh, on vous a préparé trois petits exemples pour vous montrer des possibilités de AI Builder. La, en, en tant que développeur, cet exemple m'impressionne beaucoup. Euh, supposons que vous avez une idée de, de, pour faire une application euh, dans votre tête. Vous faites un dessin sur une napkin ou sur une page, comme que j'ai fait ici. Une fois que c'est fait, on intègre cette image dans l'intelligence artificielle sans aucun, aucun code, sans aucune euh, manipulation pratiquement. Le AI Builder est capable de nous créer un esquisse finalement réel, réutilisable de l'application. Évidemment, on doit, dans la troisième image, travailler l'esquisse de base et rajouter les business rules dans l'application. Mais c'est quand même incroyable que juste à partir d'un dessin, on puisse faire l'ébauche d'une application. Imaginez euh, un scénario de la vraie vie. Vous avez un formulaire. En fait, vous avez plein de formulaires papier aujourd'hui. Après, aujourd'hui, vous êtes tout excité. Hey, ça, on pourrait faire ça dans PowerApp. Bon, oui, vous pourriez partir from scratch, mais vous pourriez aussi avec AI Builder prendre votre formulaire et une fois qu'il euh, passerait dans la moulinette AI Builder euh, sur le template en question, bien, il sortirait un formulaire euh, Power Apps à l'autre bout. Exactement. Le deuxième exemple est la reconnaissance d'images. Nous pouvons utiliser cette technologie pour détecter les produits. Donc, je vous ai juste montré quelques étapes pour vous montrer à quel point c'est facile. Euh, configurer l'intelligence artificielle. Donc, la première étape est de saisir les produits qu'on veut euh, que l'intelligence artificielle reconnaisse. Dans mon exemple, j'ai du thé vert, du thé rouge, etc. On crée une petite liste dans, dans l'intelligence artificielle. Ensuite, on doit téléverser des photos, euh, des images dans l'intelligence artificielle. Microsoft recommande cinq images différentes pour chacun des produits. La dernière étape. Est de passer au travers de chacun des, des images et d'associer l'image au produit créé précédemment. Une fois que euh, cette association est faite, on peut réutiliser notre intelligence artificielle dans plusieurs sources. Comme par exemple, on pourrait faire une petite application Power Apps euh, de scannage pour détecter euh, c'est quoi le produit euh, que nous avons devant nous. Comme par exemple, ici, en, en scannant mon produit, l'application est capable de détecter que c'est du thé vert. Un autre exemple d'utilisation, on pourrait euh, utiliser ça dans un entrepôt, euh, prendre des photos d'une localisation pour détecter si la, la localisation <coughs> est pleine ou vide, prendre ces photos, les envoyer dans OneDrive ou peu importe l'endroit, récupérer ces images-là, les analyser avec notre intelligence artificielle et faire euh, la réponse qu'on veut, envoyer des tweets, euh, des Facebook, des emails. On peut vraiment tout faire grâce à ça. Et ce que, ce que Michael vient de nous montrer, dans le fond, c'est impressionnant. C'est du AI, de l'intelligence artificielle. Mais si vous ramenez ça dans un scénario de la vraie vie, c'est comme on a fait avec nos enfants. Là. Euh, au début, il y avait des attributs, il y avait des couleurs, rouge, bleu, vert, jaune. Puis après ça, on a ce qu'on appelle entraîner le modèle. Donc, c'est comme s'asseoir avec l'enfant, montrer le petit carton, puis dire jaune, vert. Puis une fois qu'il est entraîné... Là, à ce moment-là, on monte un carton puis c'est l'intelligence artificielle qui dit Hey, c'est jaune. Donc, l'exemple de Michael est très représentatif de ce modèle-là euh, qu'on a fait avec euh, une image. Et en passant, c'est euh, ce qu'utilise euh, Business Central euh, aujourd'hui. Quand vous importez une image, si vous l'avez bien configurée, bien, Business Central va faire la reconnaissance de l'image et va suggérer des attributs euh, à ces images-là. Parfait. Le dernier petit exemple avec cette technologie est la reconnaissance de texte. Nous pouvons configurer notre intelligence artificielle pour faire de la traduction euh, automatisée. Attention, Michael. Il faut que je t'arrête. Okay. Les gens qui utilisent NAV ou Business Central, les je ne sais trop combien de clients qui m'ont demandé, Jacques, qu'on pourrait faire ça dans NAV ou dans Business Central, puis que ma réponse était, désolé, non. Écoutez bien, Michael. Plus maintenant, nous avons une solution. <laughs> Grâce à notre intelligence artificielle, nous pouvons créer un, un traducteur automatisé. Euh, dans cet exemple-là, nous avons un exemple très simple d'utilisation de l'intelligence artificielle de traduction euh, dans Power Automate. Euh, Lorsqu'un article est créé ou modifié dans Business Central, le Power Automate détecte le changement. Ensuite, nous récupérons le nom de celui-ci. Et on passe le nom à, à notre intelligence artificielle pour traduire dans la langue de notre choix euh, l'article. Et ensuite, on peut appeler un API dans Business Central pour sauvegarder la traduction euh, dans les items Translation. Donc, ce que vous venez de voir, ce n'est pas une légende urbaine, ce n'est pas un vendeur qui vous explique ça, c'est un développeur senior. Et ce que vous avez à l'écran présentement... Pour bien gérer les attentes. Michael, ça met un petit peu vendeur quand même. Mais hein? pour bien gérer les attentes, il y a deux choses à prendre en considération. Il y a un, il y a un petit setup à faire en arrière scène comme de publier oh des oui. web services. Right? Effectivement. Et l'autre point, euh, il y a l'aspect coût aussi, qu'on va parler un peu plus à la fin. Euh, par contre, euh, une fois que ça c'est fait, c'est déployé, imaginez euh, soit pendant une implantation, et c'est certain que nous on va travailler là-dessus à l'interne. Euh, Karim n'est pas là, mais. On va travailler là-dessus à l'interne pour que dans nos implantations, on parle le modèle puis voip, ça traduit euh, tous les produits, mais aussi dans la vraie vie où est-ce qu'on pourrait avoir un service euh, partagé, euh, où est-ce que euh, à chaque fois qu'il y a un produit qui est créé, exactement le flot de Michael, à chaque fois qu'il y a un produit qui est créé, on appelle euh, le Power Automate qui passe dans Power Builder, euh, dans AI Builder, traduit le produit. Donc imaginez que vous vendez euh, dans quatre pays, dans quatre langues, euh, français, anglais, espagnol et euh, peu importe la, la quatrième, à ce moment-là, l'outil qu'il y a ici pourrait automatiquement traduire euh, les produits directement. Assez fantastique. En effet. Et euh, le développement que Jacques nous dit, c'est la création d'un API dans Business Central et le développement est vraiment euh, minime finalement pour arriver au résultat final. Bon. Assez de blabla. <laughs> Donc, on, va vous, on vous a présenté à haut niveau ce que chaque produit fait. Euh, on vous invite à aller sur le site de Microsoft, le site de Power Platform. Euh, écoutez, vous pouvez passer une demi-journée sur chaque produit. Euh, vous pouvez aller sur YouTube il y, a, il y a une tonne de vidéos. Il y a Microsoft Learn, qui est le portail de Microsoft qui a plein, euh, plein d'outils euh, de formation. Euh, ce qu'on va faire présentement, c'est qu'on va rapidement, parce que le temps avance, on va euh, faire un scénario de la vraie vie. Et on l'a schématisé à haut niveau. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'en arrière-scène, on a un Power Automate. Lorsqu'un courriel va être envoyé à vente à commercialchronus.com, ou ça pourrait être un mot-clé dans le sujet du courriel, on a un Power Automate qui va extraire euh, le PDF, qui va envoyer ça à... Euh, AI Builder pour extraire les données de, euh, du PDF en question. En fait, il va premièrement sauvegarder le PDF, il va l'envoyer à AI, AI Builder qui va extraire les données, qui va ramener ça ensuite dans une base de données Dataverse. Et ensuite, un autre euh, Power Automate qui va, euh, un, s'il y a des erreurs lors de la reconnaissance du OCR, va envoyer ça dans un Power Apps pour que quelqu'un aille gérer l'exception. Euh, sinon, ça s'en va dans Business Central. Et à ça, on pourrait rajouter euh, des notions d'approbation et de courriel là, qui s'enverraient. Donc, c'est l'exemple que Michael va nous montrer dans deux secondes. Parfait. Donc, l'exemple qu'on vous montre a pris seulement euh, quelques heures à réaliser. Euh, donc, euh, comme Jacques dit, la première étape, c'est de créer un Power Automate qui lit une boîte de courriel. Dans notre exemple, on s'assure, on regarde juste les courriels qui ont des attachements avec le sujet Era Imagine dans celui-ci. Donc, euh, tous les autres courriels ne seront pas traités par ce premier Power Automate-là. La deuxième étape est de lire tous les attachements, ça pourrait être un ou plusieurs. Euh, le, dans le fond, le, le Power Automate recherche les documents de vente dans le courriel. L'étape suivante est de sauvegarder les documents dans notre Dataverse. Pour pouvoir le réutiliser par la suite. La dernière étape de ce Power Automate-là est de modifier le, le statut euh, de l'enregistrement dans le Dataverse. En changeant le statut dans le Dataverse, ça va appeler notre deuxième Power Automate. Ce que le deuxième Power Automate fait est de récupérer le fichier PDF de notre courrier, de, que nous avons sauvegardé dans le Dataverse. Nous appelons notre intelligence artificielle pour extraire le data de celui-ci. Dans la prochaine étape, je vais vous montrer à quel point c'est facile de configurer cette intelligence artificielle-là. Et ensuite, euh, une fois que le data va être traité par l'intelligence artificielle, on le sauvegarde dans des tables en tête et des tailles du Dataverse pour la prochaine étape du processus. Donc ici, un peu comme quand on détectait euh, les images dans les exemples plus tôt, on rajoute les champs qu'on veut extraire de notre document de vente. Dans ce cas ici, on a le numéro de la commande, l'adresse, le nom du client, etc. Donc ici, ce qu'on fait, Michael, c'est qu'on prépare AI Builder en lui disant "Écoute, tu vas recevoir un PDF. Là. Voici les champs que tu dois t'attendre de recevoir. C'est bien ça C'est en plein ça. Parfait. Je suis bien, Michael. Ouais, c est, c est, tu suis, mon Jacques. <laughs> L'autre étape est de téléverser au moins cinq euh, exemples de notre document qu'on veut analyser. Finalement, la dernière étape, j'aimais bien ton analogie tantôt, Jacques, c'est comme entraîner un enfant. On, on doit passer au travers de chacun des documents et dire chaque champ euh, co correspond à quel champ euh, dans notre document. Une fois qu'on a passé au travers de ces cinq documents-là, L'intelligence artificielle s'entraîne euh, tout seul et nous dit notre, le pourcentage de précision de notre modèle. Dans ce cas-ci, c'est 92 Pourquoi ce n'est pas plus élevé que ça? Parce que j'ai fait par, exprès pour vous montrer que dans mes exemples, il y avait quelques champs qui n'étaient pas toujours disponibles dans, euh, dans les documents. Donc, le numéro de téléphone n'était pas sur tous les documents. Donc, on a une précision d'intelligence artificielle seulement de 80 pour ce champ-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand le data n'est pas 100 valide? On peut rajouter encore une fois avec Power Automate les validations qu'on veut. Pour notre exemple, ce qu'on a décidé de faire, c'est de s'assurer que le total de chacun des lignes de la commande soit égal au total de la facture en bas. Si euh, le data est, est valide finalement, on peut appeler euh, des, euh, des API de business central pour rechercher si le client existe, le sauvegarder au besoin, créer l'entête de la commande et les lignes de détail également. Par contre, si le data n'est pas valide selon les lois qu'on veut, on peut, dans notre exemple, on envoie par courriel avec un URL, un lien à l'utilisateur pour que celui-ci puisse modifier et configurer lui-même euh, et modifier plutôt le data. Donc par courriel, l'utilisateur clique sur le lien, une Power Apps est ouverte sur son ordinateur. À gauche, on voit le document euh, fautif et à droite, on affiche les datas que l'intelligence artificielle a réussi à récolter. Donc, en quelques clics, il peut corriger le data euh, qui sera en erreur et sauvegarder le processus. Ça euh, va se continuer par la suite. <coughs> Pardon. Donc, Imaginez que, on vient de vous montrer des exemples, en fait un exemple de la vraie vie, imaginez que vous faites ça avec des commandes que vous recevez, peut-être que vous n'avez pas assez de volume qui justifierait une solution EDI, donc vous voudriez, lorsqu'un courriel est envoyé d'une commande de vente, que ça passe dans le processus qu'on vient de voir. Imaginez que des gens ont des documents que vous voulez saisir sur SharePoint, sur OneDrive. Donc, ce qu'on vient de vous montrer, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, imaginez que on vient de vous montrer les différentes pièces d'un casse-tête. Donc, maintenant, vous pouvez mieux imaginer jusqu'où on peut aller. Euh, il y a Michael et moi qui sommes euh, disponibles pour euh, discuter avec vous parce que... Une question qu'on m'a posée euh, récemment, c'est, OK, mais Jacques, euh, comme client, est-ce qu'on doit devenir des experts de Power, à, de power uh, Platform? Euh, la réponse est non. Euh, si vous avez les ressources nécessaires, tant mieux. Mais on ne s'attend pas à ce que tous nos clients deviennent experts. Homestead on n'est maître de rien. Là. Donc, vous avez vu, il y a 7-8 produits. Il ajoute des produits euh, presque à chaque à corps chaque On ne s'attend pas à ce que vous soyez euh, des experts. Nous, on est là pour vous guider. Euh, donc, pensez à tout ça. Il y a un point aujourd'hui qu'on n'a pas couvert, l'aspect prix. Euh, AI Builder, c'est fantastique, vous pouvez faire plein de choses avec ça, mais entraîner un modèle, parce que ça, ça, en fait, le, le prix, c'est par modèle, par template. Euh, oh, tout à l'heure, on a vu un modèle avec euh, la reconnaissance OCR. Un modèle, c'est $640 par mois. Oh, ça peut paraître cher comme ça, mais si vous sauvez l'équivalent du salaire d'une personne, qui est là à saisir euh, des données à la journée longue. Même chose avec RPA, il y a quand même un coût relié à ça. Euh, donc, la première étape, c'est de voir jusqu'où je peux aller, qu'est-ce que je pourrais automatiser chez nous, puis après ça, OK, est-ce qu'il y a un payback? Euh, si un retour sur investissement, go, euh, tout à fait, euh, allez-y, puis euh, ça va nous faire plaisir d'en discuter avec vous. Je voudrais rajouter un petit point sur le coût du modèle de l'intelligence artificielle. Euh, un modèle, pas, nous n'avons pas besoin d'avoir un modèle par client. Euh, Lorsqu'on est en train d'être intelligent artificiel, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'avoir cinq euh, documents différents. Comme si on avait dix clients, si on upload euh, 50 documents, bien, le, le, avec un modèle, nous allons pouvoir traiter nos dix clients finalement. Ouais, très bon point, Michael. En fait, un modèle, c'est, euh, si je prends mon analogie de tout à l'heure, c'est un enfant qui est entraîné à faire quelque chose. Donc, euh, on l'a entraîné justement à reconnaître une commande à partir d'un PDF qu'on a reçu. mais nonobstant le nombre de clients, ce modèle-là, lui, euh, devient une. J'appelle ça une moulinette, c'est un terme très euh, savant. Là. Pas du tout. Mais il va, va passer dans le, le, le AI Builder puis euh, sortir à l'autre bout. On serait rendu à la période de questions. Donc, euh, si vous avez des questions, euh, c'est euh, le bon moment pour cela. OK, première question. Est-ce que Power Automate est compatible avec NAV 2018 on-prem ou requiert absolument BC? Je, peux, je vais donner une première réponse, puis je te laisse euh, aller après. Euh, donc, est-ce qu'il est, qu est compatible? Oui, dans le sens qu'il y a un connecteur SQL. Donc, euh, votre Power Automate, au travers du connecteur SQL ou d'un web service, pourrait, euh, pourrait fonctionner. Il ne sera pas aussi intégré à l'intérieur parce que bon, qu'il n'est pas dans NAV, mais oui, euh, il pourrait y avoir des, des triggers qui, euh, qui seraient utilisés par Power Automate. Dans le fond, c'est une bonne question. Présentement, nous sommes en train de faire une preuve de concept pour un client, justement, euh, pour tester un, un exemple complet d'intégration avec Business Central euh, On-Premise. Euh, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec en mode SaaS. En mode SaaS, nous avons plein de triggers, plein de fonctionnalités. Uh, built-in dans le produit. Uh, avec on-premise, uh, je crois qu'on va réussir à arriver à nos fins, mais c'est beaucoup plus ardu. Donc, uh, la piste de solution qu'on est en train d'explorer est de créer un Power Automate uh, de type API et Business Central pourrait appeler notre API dans Power Automate, puis uh, ça serait ça notre déclencheur finalement, vu que les déclencheurs ne uh, sont pas built-in avec on-premise. Donc, au courant de la semaine prochaine, on va vraiment avoir notre preuve de concept euh, complétée. Donc, on pourra plus vous répondre euh, d'ici là. Un gros avantage, c'est d'avoir une équipe euh, solide avec, entre autres, Michael, avec Bernard qu'on a vu ce matin. Donc, on a euh, une bonne expertise côté fonctionnel, mais on a aussi euh, des collègues qui peuvent ouvrir le hood, puis euh, aller voir en dessous comment on peut faire ça. Autre question, dans votre exemple 1, vous dites que si un document de vente requiert une approbation, est-ce qu euh, est que la demande d'approbation est générée dans Business Central ou euh, dans euh, Power Automate? En fait, euh, ça peut être les deux. L'avantage de le générer dans, euh, Power Automate, dans, dans Business Central, c'est que le statut de la commande va être en, à, en attente d'approbation. On s'entend qu'en arrière-scène, c'est un Power Automate. Là. Donc, dans le Power Automate, on va dire « Change le statut de la commande ». Puis, vous irez voir, en fait, dans, euh, sur le site de Power Automate, il y a un template euh, qui est là pour euh, l'approbation des commandes. Donc, vous allez déjà voir d'emblée à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est possible que toutes les tables ne soient pas disponibles dans Power Automate? Par exemple, Stock Keeping Unit. C'est une très bonne question. Euh, effectivement, je crois que les… De base, sans développement, nous avons accès à 59 tables et 59 tables principales de, euh, de Business Central. Comme tantôt euh, dans notre exemple pour les traductions, le item translation n'est pas disponible built-in. Jacques qui disait que ça prenait un petit développement pour y arriver. Donc, le développement qui doit être fait, c'est dans Business Central, euh, les développeurs doivent créer un API pour exposer la table, euh, les tables manquantes finalement. Donc, ça peut être un petit développement de une à deux heures pour exposer les tables manquantes. Mais euh, une fois que c'est fait, euh, les tables manquantes sont disponibles au même titre que les autres. Est-ce que les environnements de Business Central sont les mêmes que ceux de euh, la Power Platform? Quelle bonne question. Bien, en tu fait, y vas, j'y vais? Bien, comment? Je compléterai. Okay. <laughs> OK, je vais un peu, puis après ça, je donnerai les détails. On va, on va voir si tu fais une bonne job. <laughs> oui. En fait, la réponse est euh, juste pour revenir à la question, est-ce que c'est les mêmes tables, la même base de données La réponse est non. C'est deux environnements distincts. Et là, on parle de Business Central SaaS. Là, donc, il y a Business Central SaaS et il y a, euh, par exemple, mon euh, environnement Dataverse. Donc, c'est vraiment deux environnements distincts. Oui, on peut les connecter ensemble avec les connecteurs, mais. Euh, par exemple, ce que j'ai dans Business Central n'est pas forcément dans Dataverse. Ouais. De ouais. Tu de la loi, Michael? Tu as très bien fait ça. Euh, <laughs> la prochaine question. Est-ce qu'un Power Apps peut être déployé dans plusieurs environnements? Euh, on n'a pas discuté, mais dans, dans la Power Platform, il y a une, une notion de solution. Euh, donc, quand on fait un nouveau projet, on peut se créer une solution. Et dans cette solution-là, on peut regrouper très facilement euh, nos, tous les éléments, les Dataverse, les Power Apps, les Power Automate, notre AI Builder à un seul endroit. Une fois que notre solution est créée, on peut en deux clics exporter cette, cette solution-là et la réimporter dans notre environnement de production ou de, de staging. Donc euh, oui, on peut facilement modifier euh, nos no, no, no trucs finalement euh, selon différents environnements. Bonne réponse, Michael. <laughs> Donc, ça fait le tour des questions euh, pour le moment. Merci à tous d'avoir été présents. On espère avoir été en mesure de vous présenter euh, le, le, les fameux carrés de sable de ce que chaque produit peut faire. Je vous invite à aller sur, comme je vous disais tout à l'heure, YouTube il y a plein d'informations sur chacun des produits, Microsoft Learn. Sur le site de Power Platform, les, les prix sont publics. Là, donc, vous pouvez déjà aller voir. Assurez-vous que vous êtes bien sur euh, le site canadien. Vous allez voir en haut dans l'adresse, c'est euh, soit fr-ca ou en-ca. Sinon, dans le bas de la page, vous avez euh, anglais-canada, français-canada. Vous allez avoir un aperçu euh, du prix, euh, ce que ça coûte. Puis, euh, on pourra en discuter ensemble. Comme euh, Benoît l'a mentionné hier, on, est, on a une équipe, en fait, qui. Euh, qui est en train de, de, de faire un, un REM-POP sur les compétences, parce que, bon, ceux qui suivent la Power Platform, euh, ce n'est pas quelque chose qui existe depuis 15 ans. Euh, oui, Power BI est là depuis quelques années, mais la plupart des produits sont relativement euh, jeunes euh, en âge. Donc, euh, nous, on est en train de, de faire du REM-POP. On a déjà fait des projets sur euh, certains produits euh, du Power Platform, mais ça va nous faire plaisir euh, de discuter avec vous. Euh, plus en détail. Nous avons aussi euh, quelques clients qui nous ont demandé des formations euh, de base euh, sur la Power Automate. Euh, nous sommes en train de, de bâtir une, une formation plus avancée. Euh, donc, dans quelques semaines, une, notre formation avancée sur Power Automate sera disponible. Donc, si jamais vous êtes intéressé à recevoir une formation sur cet outil, euh, on va pouvoir vous aider. Power Automate est vraiment un, must, je vous dirais aujourd'hui, euh, avec ou sans Business Central, euh, parce que c'est un produit euh, qui sert à, en fait, qui va beaucoup aider à gérer l'exception, qui va permettre d'automatiser des flots. Euh, et ce que je dis aux, aux clients, c'est faites attention, là, respirez. Euh, là, on a vu plein de belles choses, mais prenez le temps de vous arrêter puis de définir la vision avant de commencer à jouer là-dedans. Là. Parce que ce qui arrive, c'est que si on bâtit euh, as you go, là, en avançant tranquillement, pas vite, euh, vous allez faire plein d'itérations, finalement, vous allez perdre du temps. Power Automate, moi personnellement, ça serait le premier, euh, bon, sur la prémisse que vous connaissez déjà euh, Power BI, mais Power Automate, ça serait un premier outil à explorer qui est quand même assez simple à maîtriser. Euh, Jusqu'à un niveau intermédiaire, c'est sûr qu'à un niveau expert vous avez besoin d'un Michael ou quelqu'un qui est très fort en Power FX, là, les, les formules Excel par exemple. Mais il y a vraiment plein de belles choses que vous pouvez faire pour commencer avec ça. Là. Cette semaine, on a eu un exemple d'utilisation de Power Automate, euh, vraiment un, un cas simple d'utilisation, mais qui, je vais vous l'expliquer, c'est euh, un client envoie des fichiers XML. Euh, à un, à, au client finalement. Euh, et le but, c'est de créer la, la réponse, créer des documents euh, dans le Azure Blob Storage. Une fois, une fois qu'on a euh, détecté euh, le, le, et créé les documents, on détecte si les valeurs sont positives. Si les valeurs ne sont, sont pas positives, on peut les renvoyer par courriel euh, aux responsables. Sinon, on peut appeler Business Central et sauvegarder le data à l'intérieur. Euh, faire ça avec d'autres technologies dans le passé, euh, ce processus-là processus aurait pris euh, pratiquement deux jours euh, pour tout schématiser ça. Nous avons réussi à faire le même processus en quatre heures environ avec un Power Automate. Donc, non seulement c'est le fun, mais ça simplifie et réduit le temps de développement Power Automate. Merci, Michael. Bon exemple. Bien, merci à tous euh, d'avoir été là. On espère que vous avez euh, apprécié. Et euh, on vous souhaite euh, un, un bon appétit, puis euh, on se revoit euh, bientôt. Merci beaucoup. Merci, Mickaël. Merci, Jacques. Bonjour à tous.